فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Chers frères et sœurs, Allah Azza wa Jal nous a créés et il ne nous a pas laissés à l'abandon. Il nous a orientés, il nous a guidés et il nous a comblés par le meilleur des bienfaits, à savoir devenir musulmans et se soumettre à sa volonté et à ses ordres. Et afin que le musulman ne s'écarte pas du chemin dans lequel Allah Azza wa Jal les a mis, et afin qu'ils ne soient pas inconscients devant l'invocation qu'ils doivent manifester à son égard jour et nuit, Allah Azza wa Jal nous a instauré plusieurs adorations, plusieurs observances religieuses qui ont pour objectif de maintenir le lien entre le serviteur et son Seigneur. Ce lien-là qui ne doit jamais se couper, ce lien-là qui doit durer dans le temps, ce lien-là qui doit être continuel, afin que le musulman ne s'écarte pas de son Seigneur. Et la meilleure des adorations, la meilleure de ces observances religieuses, c'est bien entendu la prière. Les cinq prières qu'Allah Azza wa Jal nous a instaurées. C'est l'obligation la plus importante de l'islam. C'est celle qui a le plus de mérite. Et voilà pourquoi Allah Azza wa Jal, lorsqu'il l'a instauré, il l'a instauré d'une manière bien particulière en comparaison avec les autres obligations. Il ne l'a pas instauré par le biais de Jibril alayhi salam. Il a voulu donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam un des plus grands miracles qu'ont eu les prophètes, à savoir l'ascension vers le septième ciel, afin que Allah Azza wa Jal lui instaure cette obligation d'une manière directe et sans intermédiaire. Et bien que Allah Azza wa Jal ait instauré 50 prières pour les musulmans au départ, il a allégé cette obligation jusqu'à 5 prières. Mais il s'est engagé à donner la récompense à ceux qui les accomplissent comme s'il avait accompli 50 prières. Autrement dit, le musulman a 50 fois plus de récompense en accomplissant une prière qu'un autre être humain qui croit en Allah Azza wa Jal et qui aurait appartenu à une religion précédant la religion musulmane. Donc c'est dire que cette obligation est d'une importance capitale et le musulman doit la préserver et ne doit en aucun cas s'en écarter. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ce propos: la tête de toute chose, la tête, la chose la plus importante, le sommet de toute chose, c'est l'islam. Et la colonne vertébrale, c'est la prière. La colonne vertébrale de l'existence, quelque part, c'est la prière. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a considéré comme le deuxième pilier de l'islam après l'attestation. Bien entendu, la prière ne peut pas être acceptée si on n'a pas attesté de l'unicité d'Allah Azza wa Jal et de la prophétie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Autrement dit, l'édifice islamique ne peut tenir et ne peut rester stable et équilibré si ce pilier-là s'est ébranlé, si ce pilier-là est fragile, si ce pilier-là est fissuré. Autrement dit, un musulman qui observe une défaillance au niveau de sa prière, un manquement au niveau de sa prière, un non-respect des convenance de la prière, c'est un musulman dont l'islam et dont la religiosité est fragile, dont la religiosité est déséquilibrée et qui risque malheureusement de basculer vers la mécréance. Ibn Mas'ud radiallahu anhu rapporte: j'ai demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est la meilleure œuvre qui existe, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam de répondre: La prière à l'heure. Je lui ai dit ensuite quoi? Il a dit la bienfaisance et la bienséance envers les parents. Je lui ai dit ensuite quoi? Il a dit al jihad fi sabilillah. Regardez cette échelle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a établie, et à la tête et au sommet de laquelle
il a mis la prière. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a insisté, a conseillé les musulmans à préserver cette prière, au point qu'au moment même où il quittait ce monde-là, son dernier conseil était « As-salat, as-salat ». Je vous conseille de vous maintenir à la prière. Je vous conseille d'observer la prière. Je vous conseille de préserver la prière. « Wa ma malakat aymanukum » et de prendre soin de vos esclaves. Autrement dit, il a parlé du lien entre le serviteur et son Seigneur, à savoir la prière, le meilleur lien. Et le meilleur lien avec autrui, c'est la bienfaisance, et notamment envers les faibles. Et dans ce cas, il a choisi comme exemple les esclaves. Chers frères et sœurs, la majorité des musulmans sont inconscients de l'importance de la prière. Il ne nous reste rien pour basculer vers l'au-delà. Il ne nous reste rien. Combien il te reste pour basculer vers l'au-delà ? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans. C'est rien dans l'échelle de l'existence. Notre existence n'est rien dans l'échelle de l'existence tout entière. Et il ne nous reste rien avant de basculer vers Allah Azza wa Jal. Il ne nous reste rien avant de nous séparer de nos biens matériels. Avant de nous séparer de ceux qu'on a aimés et de ceux qui nous ont aimés. Avant de nous séparer de nos richesses. Il ne nous reste rien avant de nous dresser devant Allah Azza wa Jal afin de rendre compte de ce que nous avons fait sur cette terre. Et écoutez ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith Hassan rapporté par Tabarani. Il a dit, la première chose sur laquelle le serviteur va être questionné le jour du jugement, c'est sa prière. La première chose sur laquelle le serviteur va être jugé le jour du jugement, c'est sa prière. S'il était bien, tout ce qui va suivre va être bien. Mais s'il était mauvaise, tout ce qui va suivre va être mauvais. Parce que c'est la prière qui est le chef d'orchestre. Lorsque la prière est bien accomplie, toutes les autres observances religieuses seront bien accomplies. Et lorsque la prière est négligée, tout le reste forcément va être négligé. Voilà pourquoi chacun de nous a besoin de se poser quelques questions par rapport à sa prière, de temps en temps. Et celui qui ne pose pas ces questions, ça veut dire qu'il est inconscient de ce qu'il attend le jour du jugement. Celui qui ne pose pas ces questions, il est inconscient du jour de la reddition. Il est inconscient de la difficulté dans laquelle il sera lorsque Allah Azza wa Jal va commencer à lui poser la première question sur sa prière. Nous devons nous poser la question, est-ce que j'accomplis la prière comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a voulu et comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a fait ? Est-ce que je parfais ma prière au niveau de l'qiyam, au niveau de rukou, au niveau de sujoud ? Est-ce que je respecte les heures de la prière ? Est-ce que je fournis un effort assez soutenu afin d'accomplir la prière dans le groupe ? Afin de prier dans les demeures qu'Allah Azza wa Jalla a autorisé d'élever. C'est bel et bien Allah Azza wa Jalla qui dit dans le Coran que c'est lui qui a donné l'autorisation d'élever des demeures dans lesquelles des hommes invoquent Allah Azza wa Jalla matin et après-midi. C'est lui qui le dit dans le Coran. Et il suffit maintenant de jeter un œil dans les mosquées des musulmans pour jauger le degré de leur foi. Allez dans les mosquées au moment de l'entrée des heures de prière et vous êtes capable de jauger la foi des musulmans. Si vous voyez que la mosquée est remplie, que les gens courent pour arriver à la première rangée, tellement il y a de musulmans, tellement il y a de rangées, et qu'ils courent pour être parmi les premiers, sachez dans ce cas que la foi est bien installée dans ce peuple-là ou dans ce groupe-là. Mais lorsque vous voyez les mosquées vides, et qu'on n'arrive même pas à remplir la première rangée. C'est qu'il y a un problème. Il y a un problème dans la foi. Il y a un problème dans la certitude en Dieu. Il y a un problème dans la certitude en le jour de la reddition. Il y a un problème d'inconscience devant l'importance de la prière et devant le mérite qu'Allah Azza wa Jal a mis dans cette prière comme un moyen qui pourrait nous purifier de nos péchés et nous sauver
le jour du jugement lorsqu'on en aura besoin. N'est-ce pas Allah Azza wa Jal qui dit dans le Coran, ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat, ils ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Et ceux qui ne font pas partie de cela, vous croyez qu'ils seront des nombres des bien guidés? Déjà, en accomplissant tout cela, Allah Azza wa Jalla dit, il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Et ceux qui sont à l'écart de ce groupe-là, ceux qui ne ressemblent pas à ces hommes-là, comment seront-ils? N'est-ce pas Allah Azza wa Jalla qui dit dans des mosquées qu'Allah a permis que l'on élève et où son nom est invoqué, le glorifie en elle, ça veut dire le glorifie en ces mosquées-là, matin et après-midi, des hommes que ni le négoce, ni le troc ne distrait de l'invocation d'Allah, de l'accomplissement de la salat et de l'accomplissement, de l'acquittement de la zakat. C'est vrai que nous vivons dans une époque et dans un lieu où pour parvenir à nos moyens de subsistance, à des moyens financiers de notre subsistance, on est parfois obligé de travailler un travail duquel on ne peut pas se détacher pour accomplir la prière dans les mosquées. On peut le comprendre. On est face à une contrainte. On peut le dire. Ça peut se comprendre. Ça peut être une excuse devant Allah Azza wa Jalla. Et malgré cela, on s'efforce d'accomplir la prière à l'heure avec les moyens du bord. Mais il est dans la journée des prières où les musulmans sont chez eux, où les musulmans ne travaillent pas, notamment la prière de l'Fajr, notamment la prière de l'Isha. Et malgré cela, les mosquées ne s'emplissent pas par les musulmans qui pourtant sont chez eux et ont le temps pour les accomplir. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim, il est dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam un jour a accompli la prière. Et dès qu'il a terminé la prière, il s'est tourné vers ceux qui priaient derrière lui. Il leur a dit, est-ce qu'un tel est parmi nous? Est-ce qu'un tel est parmi nous? Ils lui ont dit non. Ensuite il a dit, est-ce qu'un tel est parmi nous? Il a cité le nom d'une autre personne. Est-ce qu'un tel est parmi nous? Ils lui ont répondu non. Il a dit, il n'y a pas une prière. Il n'y a pas une prière aussi lourde pour les hypocrites que la prière de l'Fajr et de l'Isha. Il n'y a pas une prière aussi lourde pour les hypocrites que la prière de l'Fajr et la prière de l'Isha. Et ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, s'il savait ce qui s'y trouve, s'il savait ce qui se trouve dans ces prières-là, ils y seraient venus en rampant. Ils y seraient venus en rampant. Et ce hadith nous concerne, chers frères, il ne concerne pas que les hypocrites du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous concerne parce qu'on doit avoir peur. On doit avoir peur et se dire, il se peut que j'en fasse partie. Si le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ces deux prières sont lourdes pour les hypocrites, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam signifiait ceux qui n'arrivent pas à venir à la mosquée ou qui refusent de venir à la mosquée pour accomplir ces deux prières. Et nous devons nous poser la question, combien avons-nous de rendez-vous avec les mosquées de Dieu par jour? Combien? Je parle par jour, je ne parle pas par semaine ou par année. Je ne parle pas de la prière de Jumu'ah, je ne parle pas de la prière de Tarawih une fois par an. On parle des prières quotidiennes. Un musulman qui n'a pas un rendez-vous avec les demeures de Dieu, ne serait-ce que deux fois par jour, c'est un musulman qui doit se poser des vraies questions sur sa foi, des vraies questions sur sa relation avec Dieu, des vraies questions sur ses convictions relatives à sa religion. Chers frères et sœurs, Ubada ibn Samit, un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire ces paroles. Ce sont cinq prières qu'Allah a prescrites pour les serviteurs. Celui qui les accomplit sans en diminuer quoi que ce soit par manque de considération envers leur mérite a une promesse de la part d'Allah de le faire entrer au paradis. C'est un beau hadith. Cinq prières qu'Allah Azza wa Jalla a prescrites pour ses serviteurs. Celui qui les accomplit et celui qui s'efforce de bien les accomplir, sans en diminuer quoi que ce soit, par manque de considération envers leur mérite. Ça veut dire qu'il connaît leur mérite et qu'il s'efforce de le respecter parce qu'il sait qu'ils ont énormément de mérite. Celui-là
a une promesse auprès d'Allah Azza wa Jal. C'est quoi cette promesse? Allah Azza wa Jal lui dit, tu entreras au paradis. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, sans en diminuer quoi que ce soit, ça veut dire qu'il faut respecter la prière telle que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a instaurée, avec son qiyam, avec son recours, avec son sujoud. Ça veut dire qu'il ne faut pas la picoter comme le ferait un poussin ou un coq. Ça veut dire qu'il faut les accomplir là où Allah Azza wa Jal veut qu'on les accomplisse, à savoir dans les mosquées. Ça veut dire les accomplir en groupe. Ça veut dire qu'on a un esprit toujours attaché à la prière. Et voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que parmi les sept qui bénéficieront de l'ombre de Dieu, le jour où il n'y aura d'ombre que la sienne, il y a celui dont le cœur est accroché à la mosquée. قَلْ رَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ. Ça c'est une symbolique pour dire qu'il est attaché à la prière dans la mosquée. C'est pas dans la mosquée parce qu'il va venir se reposer à la mosquée ou dormir dans la mosquée, non. C'est parce que c'est là où on accomplit de la manière la plus parfaite la mosquée. Et le cœur, son cœur est accroché avec la mosquée, à la mosquée, même si son corps est ailleurs, même si son corps travaille, même si son corps est ailleurs avec les problèmes, avec les aléas de la vie, son cœur est attaché à la mosquée. Il ponctue sa journée, il ponctue sa journée avec cette prière qui le rapproche de son Seigneur. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue d'affirmer ce qu'il a dit dans d'autres hadiths en disant « N'entrera pas en enfer, n'entrera pas en enfer celui qui prie avant le lever du soleil et avant son coucher. » Et en faisant référence aux deux prières importantes, la prière de l'Fajr et la prière de l'Asr. Et comment la prière ne serait pas un moyen d'entrer dans le paradis alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à ses compagnons, voyez-vous, si l'un de vous a un fleuve qui coule juste devant chez lui et dans lequel il se lave 5 fois par jour, pensez-vous qu'il aura encore de la saleté dans son corps? Les compagnons ont répondu par le négatif. Ils ont dit non, il n'aura pas de saleté dans son corps. Quelqu'un qui se nettoie et qui se lave 5 fois par jour, c'est impossible qu'il soit sale. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, c'est ainsi l'exemple de la prière. Allah Azza wa Jal absout et efface tous les péchés que le serviteur commette. Et là, il parle bien entendu, il ne parle pas des grands péchés, mais des petits péchés, les péchés envers Allah Azza wa Jal, pas envers ses serviteurs. Donc imaginez ce moyen qu'Allah Azza wa Jal a mis à notre disposition et regardez comment la majorité d'entre nous se comporte devant ce moyen. C'est une bénédiction qu'Allah Azza wa Jal a mis entre nos mains et beaucoup d'entre nous ne lui donnent pas l'importance qu'elle mérite. Beaucoup de nous ne se rendent pas compte du mérite de cette dotation et de ce bienfait qu'Allah Azza wa Jal a donné à cette grande communauté. نفعني الله وإياكم بالقرآن الكريم وبحديث سيد الأولين والآخرين وغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين وارحم الله عبدا قال آمين. الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Il n'y a pas parmi nous un croyant qui est véridique dans sa foi sans qu'il ne demande Allah Azza wa Jal d'être le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis. Je crois que tout le monde de nous espère ceci, ou du moins a demandé ceci à Allah Azza wa Jal. Il y a un moyen pour cela. Dans un hadith rapporté par Muslim, rahimahullah, Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami était un jeune homme qui était au service du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'était un des valets du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Rabi'a ibn Ka'b al-Aslami dit: je dormais chez le prophète sallallahu alayhi wa sallam parce que j'étais à son service. Et je lui ramenais l'eau pour qu'il accomplisse son wudu. Et je lui ramenais tout ce dont il avait besoin. Et un jour, il m'a dit, demande, demande. Regardez l'éthique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque tu es à mon service, je veux être reconnaissant vis-à-vis de toi. Je veux remercier ce que tu fais pour moi. Demande ce que tu veux. Seul, demande ce que tu veux. Il lui a dit... Ka'b dit, je lui ai dit, je demande à être ton compagnon dans le paradis. Tout ce que je veux. Je demande à être ton compagnon dans le paradis. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, demandes-tu autre chose? Veux-tu autre chose? Je lui ai dit non, c'est tout ce que je demande. Et bien entendu, c'est ce qui est de meilleur. Je demande à être le compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu lever les mains et dire, Seigneur, fais de sorte que Ka'b m'accompagne dans le paradis. Non, il lui a dit, aide-moi pour ton salut par la multiplication des prosternations. Aide-moi pour ton salut
par la multiplication des prosternations. Tu as un moyen entre tes mains qui te permet d'être en ma compagnie le jour du jugement. C'est de multiplier les prosternations. Et le prophète Sallallahu alayhi wa sallam, disons cela, il ne fait pas référence seulement aux cinq prières. Il ne fait pas parce que ça c'est le minimum nécessaire. Ça veut dire qu'il fait référence aux prières surérogatoires. Et bien entendu, celui qui ne préserve pas les prières obligatoires ne s'intéressera pas aux prières surérogatoires. Et celui qui s'intéresse aux prières surérogatoires, c'est que forcément, il accomplit bien comme il le faut les prières obligatoires. Donc vous savez ce que vous devez faire si vous voulez être parmi les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, non pas seulement dans l'espoir, dans la formulation verbale, mais dans la réalité des choses, il faut traduire cette parole et ce conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans notre vie, en commençant par préserver notre prière et les accomplir bien comme il le faut dans les mosquées qu'Allah Azza wa Jalla a élevées, en espérant qu'Allah Azza wa Jalla nous comble de sa miséricorde. معشر المسلمين والمسلمات إن الله وملائكته يصلي على النبي يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد في ملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واجبرنا يا أرحم الراحمين اللهم وفقنا لعمل الخير وخير العمل واجعلنا من الأتقياء الأنقياء الأصفياء البراء من كل شرك اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين